Somme Tchunkoy. President, please be seated. Président, veuillez vous asseoir. Ong Chumnum Chumra, Somme Pka, Mento Saonaka. The court is now back in session. Reprise de l'audience. The chamber received an email La chambre a reçu via the greffier from the defense team for Mr. Kyu Somporn that the defense counsel for Mr. Kyu Somporn would like to include the authority or relevant documents before the chamber, and the defense team for Mr. Kyu Somporn would like to address the chamber on this request. So you have the floor now. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Le mail que nous avons envoyé fait simplement écho à la décision et à notre position de ce matin, à savoir qu'il s'agit simplement d'un document de doctrine en réponse à un document de doctrine qui a été fourni par les coprocureurs. A priori, c'est un document que nous entendons utiliser pour la session relative au crime, mais nous l'avons communiqué au plus tôt de façon à ce que les parties puissent en prendre connaissance avant que cette session commence. Voilà, c'est simplement une doctrine en réponse aux dernières sources des coprocureurs. A doctrinal document responding to the sources produced by the co-prosecutors. Good afternoon, Your Honours. We have no objection. Nous avons une objection vis-à-vis de. Nous n'avons pas d'objection vis-à-vis de ce document. We do not have any objection to the use of those documents. President, thank you. So the chamber decided to admit these documents into the case file so that we can use as the basis for decisions. Next, the floor is given to the defense team for Mr. Kyu Somporn to address the chamber relating grounds of appeals on fairness of proceedings, rather on overall approach to evidence. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Comme vous l'avez vous-même indiqué ce matin en parlant de la discussion sur le procès équitable et l'approche générale de la preuve, il est très difficile de scinder les deux temps. Les deux questions sont liées. Et c'est pour ça que je peux répondre à Monsieur le Procureur lorsqu'il nous dit que nous ne faisons pas la démonstration de l'absence d'équité dont nous avons fait état ce matin. Si nous l'avons fait, cette démonstration, nous l'avons fait en analysant à chaque fois les problèmes des conclusions et de la manière dont la Chambre arrivait à ces conclusions et l'utilisation de la preuve qu'elle faisait. Comme je l'ai indiqué ce matin, les 777 pages du jugement de 2014 sont une suite de conclusions raccourcies et déformations aux règles, déformations des règles et au mépris des principes devant régir les règles de la preuve en matière pénale. Et là, je me réfère à une très belle opinion dissidente de la juge de la Cour pénale internationale, Madame Christine van den Wingert, dans le jugement Katanga, au paragraphe 172, où elle rappelle que l'intime conviction des juges ne peut résister à la norme d'administration de la preuve applicable et à la rigueur dépassionnée que celle-ci requiert. La rigueur dépassionnée. Autant vous dire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour suprême, que la Chambre de première instance n'a pas
fait preuve de rigueur dépassionnée. Didn't show bien au contraire. Of dispassionate rigor. Quite alors, de l'autre côté de la barre, les coprocureurs nous disent mais courtroom, c'est l'appréciation souveraine des juges, c'est leur intime conviction. Oui, and their intime conviction. Ils ont un pouvoir d'appréciation souverain, yes, ça c'est sûr. The overriding authority to exercise mais il y a un certain nombre de règles à respecter dans le cadre de cette appréciation souveraine. Complied with as part d'abord, of the exercise of their la décision doit être motivée. Duty of discretion. Ensuite, ça c'est un élément important que nous avons souligné reasoned dans le cadre de notre mémoire d'appel, secondly, and this is il y a des règles à suivre lorsque our l'on suit une démarche déductive. Enfin when et surtout, you dans le cadre de l'administration de la preuve, de la gestion de la preuve et de l'appréciation de la preuve, il y a un principe qui est le socle du droit pénal, qui est que le doute doit toujours profiter à l'accusé. Et c'est l'inverse que nous avons pu constater dans la gestion de la preuve par la chambre de première instance. Compte tenu du temps qui m'est imparti, il est évident que je ne pourrais pas donner l'intégralité des exemples. Je vais en donner quelques exemples frappants, mais je vous renvoie quand même sur la nécessité de motivation d'une décision à la jurisprudence. L'arrêt Furunjiza, paragraphe 69. L'arrêt Kunarak, paragraphe 41. L'arrêt Kunarak. Nalétilique, paragraphe 603. Et sur un point qui est essentiel dans la manière dont la Chambre a géré, mal géré, la preuve, la question de la démarche déductive est essentielle. Là, je vais vous citer le jugement Tadic au paragraphe 240, où il parle de l'analyse et de la question de la déduction dans le cadre de l'analyse des éléments de preuve. On nous dit, lorsque les éléments de preuve permettent d'aboutir à plus d'une conclusion raisonnable, il n'appartient pas à la présente chambre de tirer la conclusion la moins favorable à l'accusé. Et malheureusement, tout au long du jugement du 7 août 2014, nous n'avons que ça, des suites de conclusions qui sont les moins favorables à l'accusé lorsqu'il y en a plusieurs. And these are unfavorable. Je renvoie to the accused when there are many. À nouveau au jugement Knorr-Gelak, paragraphe 67, à l'arrêt Tagirura, paragraphe 304, 306, 399, qui viennent également rappeler ce principe. Which also reiterate this principle. Également, des éléments que nous avons, similarly, bien sûr, évoqué, je vous renvoie notamment we à la note de bas de page 232 de notre mémoire d'appel. Le doute doit toujours profiter à l'accusé. Doubt must et contrairement à ce qu'indiquait M. le coprocureur ce matin, il ne s'agit pas de faire des métaphores, il s'agit de rappeler le droit. Il ne s'agit pas d'éléments généraux, il s'agit pour chaque violation que nous avons constatée de ce principe, pour chaque conclusion qui n'est pas la seule conclusion raisonnable et qui était d'autant moins la seule conclusion raisonnable que la défense avait soumis un certain nombre d'autres explications, avaient présenté une défense. Et là, ça me permet également de rebondir sur ce qui a été dit ce matin, de dire que la défense a été dans la possibilité de présenter des éléments à décharge, de dire que nous avons été dans la possibilité d'interroger des témoins, certes, mais si systématiquement, quel que soit l'argument que nous mettons en avant, quelles que soient les contradictions que nous arrivons à soulever dans le cadre d'interrogatoire, si ces éléments ne sont jamais pris en compte par la chambre de première instance, il y a un problème. Il ne s'agit pas de pouvoir présenter des éléments des défenses, il s'agit de savoir comment la Chambre les traite, et là, c'est là que nous avons la violation de l'équité du procès. C'est là que nous avons un double standard. La liste des erreurs et violations de la Chambre dans l'approche de la preuve, nous en avons, comme je viens de l'indiquer, des erreurs constantes dans la démarche déductive, des conclusions fondées sur des éléments de preuve contradictoires entre eux.
et des contradictions qui ne sont jamais élucidées. Une utilisation en masse de déclarations écrites à faible valeur probante, mais qui sont utilisées sur des éléments essentiels. Et là, je renvoie à ce que je disais ce matin sur la question des éléments qui sont utilisés hors champ du procès, avant 1975, par exemple, pour pouvoir démontrer, tenter de démontrer qu'il y a eu des déplacements de population avant 1975 et qu'il y avait un mode opératoire récurrent, la Chambre se fonde essentiellement sur des éléments écrits. Quasiment aucun témoin sur la question devant la Chambre. Pas de possibilité de discussion du côté de la défense de ces éléments en profondeur. Et pourquoi c'est si important pour la Chambre de le faire? C'est que, comme je vous le disais ce matin, il ne s'agit pas simplement d'une déformation de la Chambre ou d'une erreur. Non, c'est une construction de la Chambre. Elle a besoin de faire cette construction pour entrer dans le cadre prédéfini d'une culpabilité. Parce que si on n'arrive pas à trouver les éléments de culpabilité pendant la période 75 à 79, eh bien on la cherche ailleurs. Et typiquement sur les déplacements de population, c'est exactement ce qu'on a par rapport à la culpabilité de Kyo-Sampan, pour pouvoir, en fin de course, aller du côté du mode de la responsabilité pour dire « Ah, mais il savait ce qui s'était passé avant, donc nous en concluons qu'il a donné son accord et qu'il a participé à une entreprise criminelle qui est née bien avant 1975. Nous n'avons pas d'éléments pour vous dire qu'il a participé réellement à la prise de décision ou à la mise en application du déplacement de population, mais vous prendrez ces éléments avant. Et ces éléments avant, ils ont été mis dans le jugement en utilisant une masse de déclarations écrites. Encore autre mode de violation de la Chambre dans l'approche de la preuve, utilisation toujours à charge des témoins des experts, du témoignage des experts, pardon, le traitement à double standard de la preuve, ça j'en ai parlé ce matin, alors qu'on soit bien clair, monsieur le coprocureur nous explique que nous prenons un ou deux incidents. Non, nous n'en prenons pas qu'un ou deux. Lorsqu'on est en train d'analyser toutes les erreurs factuelles de la Chambre sur les différents crimes, sur les différents thèmes de ce premier procès, nous avons une liste successive de décisions et d'appréhensions de la preuve dans le même genre. Exemple. Paragraphe 544-545 de notre mémoire d'appel. Les conclusions de la Chambre sur le rôle supposé de Kyo-Sampan au sein du comité permanent. Sur la base de deux copies de PV, et je dis bien copies, puisque nous avons toujours les problèmes des originaux, la Chambre conclut que Kyo-Sampan, je cite, participait activement à certaines réunions du comité permanent. En tout et pour tout, au dossier, il y a 16 copies de PV. Et sur ces 16 copies de PV, il y en a deux où Kyo-Sampan aurait pris la parole. Et dans deux cas, ce n'est pas une opinion qu'il donne, c'est un rapport qu'il fait. Mais ça n'empêche pas la Chambre de conclure que Kyo-Sampan participait activement à certaines réunions du comité permanent. Et par rapport à ça, il y a quand même des éléments en défense, même pas en défense, des éléments au dossier. On nous dit qu'il était actif au comité permanent. Mais il y a quand même des questions qui se posent, que n'importe quelle chambre se serait posée. Comment se fait-il, s'il était si actif, s'il avait tellement le pouvoir qu'on veut bien, la chambre veut bien lui donner au sein du comité permanent, comment se fait-il que tout au long de la période du Kampuchea démocratique, jamais il n'était été désigné membre de ce comité permanent? Comment se fait-il, alors qu'on nous soutient, ça c'est un autre élément, dans l'interprétation de la preuve de la Chambre qui résulte d'une déformation. On nous soutient que Kyo-Sampan aurait été en contact avec le PCK depuis les années 60. Là, il a même été au lycée avec Pol Pot. Pas dans la même classe, mais ce n'est pas grave, on n'est pas à un détail près. Comment se fait-il que la Chambre ne tire pas d'autres conclusions du fait que ce n'est que quelque part en 76, c'est-à-dire bien après la décision de l'évacuation, que Kyo-Sampan a été membre du comité central. Avant, il n'était que membre candidat. C'est quand même des questions qui se posent devant à une juridiction qui est en train d'examiner les crimes les plus graves et qui doit se pencher sur la responsabilité de M. Kyo-Sampan. Voilà un exemple de la gestion de la preuve, de l'interprétation
l'interprétation de la preuve. Alors oui, forcément, lorsqu'on a donné, on a eu un certain nombre d'éléments de témoignages expliquant que non, effectivement, qu'on n'avait pas de pouvoir, etc., etc., que c'est sur ces deux PV que la Chambre va pouvoir dire qu'il participait activement. Je dis que nous sommes dans un problème de gestion de la preuve et l'équité que nous dénoncions, le manque d'équité plutôt que nous dénoncions, est illustré par ce genre de raccourci. Un autre élément, autre exemple, puisque M. le coprocureur nous a dit ce matin que Pipoun est un des témoins centrales au cadre du ministère des Affaires étrangères. Alors, on n'a pas dû assister aux mêmes choses parce que lorsque Pipoun est venu témoigner devant la chambre de première instance, il était garde et chauffeur. Il n'était pas au cadre du ministère des Affaires étrangères. Mais j'ai déjà évoqué les problèmes qu'il y a eu dans la manière dont on a voulu absolument protéger ce témoin quand on le confrontait à ses déclarations. Toute la gestion sur la question de la participation de M. Khieu Sampan à la réunion supposée sur l'évacuation de la ville de Phnom Penh, tout ce qui vient, soi-disant, en corroboration de cette déclaration dont, je le rappelle encore une fois, nous contestons la véracité, en tout cas la grande valeur probante, il y a une absence de prise en compte des témoignages d'autres gardes, puisque c'était son travail à M. Pipoun d'être garde. Pas de prise en compte d'autres éléments à décharge, de gardes qui expliquent comment normalement se passait la surveillance de ces réunions et du fait qu'il y avait une distance qui empêchait les gens d'assister au contenu de la réunion. On ne prend pas en compte les contradictions internes du témoin et les différentes versions entre ses déclarations écrites, ses déclarations à l'audience et ses déclarations même d'un jour à l'autre à l'audience. D'ailleurs, quand on le confronte à ces contradictions, on veut couper la défense. Ensuite, on utilise un document en disant qu'il vient corroborer, mais il ne parle pas. Le document, c'est un étendard révolutionnaire. Il ne parle pas de l'évacuation, il parle d'une attaque militaire. Ensuite, autre utilisation, et c'est une démonstration de la construction de la Chambre. Toujours sur ce même point, dans le cadre de son délibéré, elle va aller rechercher un document qu'elle avait refusé d'admettre en preuve, parce que tout d'un coup, elle se dit « Ah, mais ce document peut m'être utile pour rentrer dans ma thèse ». Et elle va chercher un document qui est un télégramme, en disant, ah ben, comme le télégramme dit qu'il est revenu quelque part en mai 1974 du côté du Cambodge, enfin, qu'il a en tout cas quitté tel pays à telle date, ça veut dire qu'il était peut-être là à la réunion. Ensuite, on va utiliser une déposition de Nyon Chia, qui vient pourtant en contradiction du témoin Pipoun, et on va dire, ben non, ça vient conforter la version de Pipoun. Et on va encore utiliser aussi une interview de Yeng Sari où il parle d'une réunion qu'il aurait eue avec Pol Pot au sujet de l'évacuation et la Chambre, et on ne sait pas d'où sort cette affirmation, vient décider que cette discussion, on pense qu'elle a eu lieu au moment de la réunion ou en tout cas aux alentours. Voilà comment se passe la construction. Alors, on peut me dire, oui, on avait la possibilité de présenter des éléments, on les a présentés. Mais quand la Chambre, elle fait exprès, parce qu'elle a un agenda en tête, elle a besoin de trouver des éléments, soi-disant de corroboration, pour un élément qui est nécessaire pour entrer en voie de condamnation, eh bien, nous, on vous dit qu'elle ne fait pas le travail d'un juge impartial. Elle n'est pas impartiale. Elle a sa préconception et elle veut la confirmer. Et sur ce point, on arrive à deux conclusions de la Chambre. Khieu Sampan était de retour au Cambodge en juin 1974, quand la réunion a eu lieu. Quand il est revenu, on ne sait pas, c'est une supposition de la Chambre. Et là, le plus fort, vous l'avez, c'est écrit noir sur blanc dans le jugement. Au paragraphe 139 du jugement, la Chambre juge très probable que la date de la réunion de juin 1974 était fixée de manière à permettre à Khieu Sampan et Yeng Sari d'y assister et de présenter au comité central du PCK des résultats très fructueux de leur réunion avec de hauts dirigeants chinois, vietnamiens et laotiens. Qui a dit que personne n'a dit ça. Aucun témoin, aucun document ne dit qu'on attendait Khieu Sampan et Yeng Sari. Ni Yeng Sari, ni Khieu Sampan, ni Nyon Chia qui était à la réunion ne dit qu'ils étaient présents. Plus fort encore, sur cette fameuse réunion, rappelons-nous quand même que le témoin Pipoun parle de deux réunions.
Pipoun speaks about two meetings and ces notes de bas de page, les nombreuses notes de bas de page qui sont censées étoffer, étayer la thèse de la Chambre, et bien la Chambre, elle n'en fait qu'une de ces deux réunions, parce que ça l'arrange. Donc oui, traitement de la preuve, oui, je veux bien pouvoir souverain de la Chambre, mais quand le pouvoir souverain de la Chambre aboutit à de la déformation, il y a un problème d'équité. Il y a un problème de gestion de la preuve. And it's a problem of the management of the evidence. Il y a de nombreuses autres erreurs, là, je vous renvoie, paragraphe 125, 156, 158, etc., de mémoire d'appel, je ne peux pas rentrer dans les détails, le temps m'est compté, je sais bien. Mais il y a quand même des éléments aussi intéressants à noter dans la gestion de la preuve par la Chambre. Elle nous dit que Que Sempan aurait participé par le biais de sessions d'éducation à prôner la haine au moment pour les déplacements de population contre les citadins, ça c'est paragraphe 164 sur la question du PCK et de la haine supposée des citadins. En revanche, elle omet complètement de citer pourtant le témoin Pipoun qu'elle trouve tellement extraordinaire, qui explique, et là je renvoie à notre paragraphe 163 notre mémoire d'appel, qui explique qu'avant 1975, eh bien que Sempan lui prenait l'Union nationale et le rassemblement de toutes les forces possibles, au-delà des paysans et des ouvriers. Là, on est en complète contradiction avec une entreprise criminelle qui serait née avant 1975 et une haine des citadins qui aurait été prônée. Voilà des exemples de manipulation, de déformation de la preuve par la Chambre. Il y a de nombreux autres exemples. Je sais que le temps m'est compté et j'avance. Question des déclarations écrites. 1399 déclarations écrites admises dans ce procès. Le 15 août 2013, peu de temps avant que nous débutions la rédaction de nos mémoires finaux. Il est évident que ce n'est pas dans le peu de pages qu'on avait dans le mémoire qu'on pouvait aller démonter et analyser complètement 1399 déclarations écrites. Et lorsqu'on parle des problèmes des déclarations écrites, il y a plusieurs déclarations écrites. Il y a celles qui sont prises devant les juges d'instruction. Il y a aussi les déclarations de partie civile, et ça, je suis obligée d'en dire un mot. Sur les déclarations écrites de partie civile, nous avons pu voir à l'audience, nous avons eu la démonstration, un nombre incalculable de fois, qu'il pouvait y avoir un écart énorme entre ce qui était dit dans les déclarations écrites et ce qui était dit à l'audience par les parties civiles. Mais on s'est quand même basé là-dessus pour rentrer en voie de condamnation sur les déplacements de population, sur des éléments. Vous avez eu l'exemple avec Sam City. Ça faisait partie d'une déclaration écrite qui avait été utilisée. Ce n'était pas une partie civile, mais c'était une déclaration écrite. Et quand il arrivait à l'audience, la version n'était pas la même. Sur la question des parties civiles, nous n'avons pas la même position que l'équipe de Nunchia, mais il y a quand même un problème dans la gestion de la Chambre qu'a fait les positions des parties civiles, puisque en gros, il y avait deux types d'audiences. Il y avait deux audiences où les parties civiles déposaient et étaient interrogées comme n'importe quel autre témoin, et puis il y avait des audiences particulières sur l'incidence des crimes où normalement on était censé parler et évoquer la souffrance de ces victimes. Et dans les différents documents que la Chambre issu dans le cadre de la gestion de ces audiences, elle fait à chaque fois une différence. Et là, je renvoie à E236-5, je renvoie au document E267-3, où à chaque fois, on fait bien une différence entre une déposition normale et une déposition de partie civile dans le cadre de la déclaration de ces souffrances. Ou, quand même, rappelons-le, dans le cadre des audiences sur les déclarations des souffrances, il y avait un temps extrêmement limité accordé à la défense pour pouvoir interroger les parties civiles, et que de fait, puisque la Chambre avait elle-même annoncé qu'il s'agissait pour plus tard de déterminer le préjudice, il est évident que nous n'avons pas pu exercer nos droits de la même façon qu'avec un témoin. Et pourtant, pareil, la Chambre s'est largement fondée sur ces déclarations et malgré la manière dont l'examen de la preuve s'est déroulé à l'audience. Je pourrais continuer encore et encore sur le manque de
rigueur sur la déformation de la preuve par la Chambre, le traitement par les experts, peut-être que je serai plus à votre disposition dans le cadre de questions, compte tenu du temps qui m'est imparti, mais quand même, je suis obligé de vous dire, madame, monsieur le Président, pardon, mesdames, messieurs de la Cour suprême, que l'accumulation d'éléments de preuve déformés, biaisés ou à très faible valeur probante ne donne pas plus de force aux conclusions. Et là, je réponds à l'argument des co-procureurs qui me dit, oui, vous y donnez la preuve, puis c'est un ensemble général, il faut... Moi, je peux simplement vous dire que la somme de preuves bancales, aussi nombreuses soient-elles, ça reste que la preuve bancale. La preuve, une accumulation de preuves déformées, ça reste la déformation d'une preuve. Ce n'est pas parce qu'on déforme X et X et X documents ou X et X et X déclarations de témoins qu'on arrive dans la masse à oublier qu'on a déformé. Et c'est bien le problème, et c'est là où nous voyons la manifestation du manque d'impartialité de la Chambre. Et c'est cela que nous vous demandons de sanctionner. Nous demandons de le sanctionner parce que nous serions simplement, parce que nous sommes des avocats de la défense, nous sommes de mauvaise foi. Non, nous vous demandons de nous sanctionner en faisant écho à ce que je vous disais ce matin, parce que dans le cadre d'un procès de ce type, il est important de faire preuve de la rigueur dépassionnée qui est l'apanage de votre fonction. Is something that is on that you're responsible for. President, I'd like now to hand the floor to the lead co-lawyers for civil parties. Au co-avocat de la partie civile. Good afternoon, Mr. President, Your Honours, parties to the proceedings, and the general public in the public gallery. My name is Baek Ong, and my international colleague is Marie Giroux. We are the representatives of the civil parties. Les parties civiles. Je m'appelle Pete Ong, donc. We would like to make some remarks related to the points raised by the defense team. De la défense. All the points raised by the defense team in the appeal briefs concerning the civil parties, les parties civiles. Appropriate. However, what we are going to say here are not meant to replace what have been stated by the prosecution. It is supplementary to what has been stated by the prosecution, and it is important for us as civil party representatives to do so. The defense team for Nunchir alleged that there were errors of law in the trial's chamber's reliance on civil party applications. Première instance se fiait à des constitutions de parties civiles. The Nunchi appeal alleges that the chamber relied extensively on civil party application without any consideration of the dubious circumstances under which they were created, sans tenir compte des circonstances relativement douteuses dans lesquelles elles avaient été établies. It is also alleged that the trial chamber committed an error in considering civil party applications as evidence to make conclusions without giving the defense an opportunity to cross-examine those civil parties. D'examiner les parties civiles. We would like to state that initially the civil party applications les constitutions de parties civiles were reviewed by the office of the co-investigating judges, le bureau des co-juges d'instruction. And they were subsequently admitted as evidence. Versés aux preuves. The civil party applications reviewed by the co-investigating judges les co-juges d'instruction are considered by the co-investigating judges examinés donc par les co-juges that d'instruction. The facts raised in those applications are credible. Et ont déterminé que les faits étaient crédibles. And indeed,
the co-investigating judges understand the method where the applications were made. The defense also alleged that l'équipe de défense. There were circumstances that rest doubt in the applications of those civil parties, and we stand that this statement is simply incorrect. Et cette déclaration est tout simplement incorrecte. They did not consider all the circumstances surrounding the way the applications were made. Toutes les circonstances concernant la manière dont étaient faites les processus d'appel. We as co-lawyers for civil parties actually include those statements in our list of documents in 2011. And all parties were aware since that time that the civil party applications would be used by us as evidence. Utilisées par nous en tant que preuve. Furthermore, de parties were given opportunities through object to use or to review those documents. And they can also use those documents during the confrontation with civil parties and witnesses. La confrontation avec les parties civiles et les témoins. They could also use those documents during the key document presentation. Lors de la présentation des documents. In addition, all parties can request through those civil parties to be summoned for cross-examination if necessary. Those civil party applications do not speak of conduct and character of the accused, and for that reason, judges can use these applications as evidence without the need to summon them to testify in person. Faire venir à la barre ces personnes. In addition, the trial chamber used these civil parties statements les déclarations de parties civiles where they were corroborated lorsqu'elles avaient été corroborées with other evidence par d'autres preuves. Such use by the trial chamber is in line with the principle of fair trial. Principe d'un procès équitable. And what were raised by the defense team for Kyusam Pon, that's the information by the civil parties when they were questioned, was different from what were provided in the civil party applications. This do happen, however, it was through a minimum. And this should not be considered having an impact. Ceci s'est bien produit, mais de façon très éparse. Proper statement que cela n'aurait pas un impact sur les déclarations des parties civiles. The defense team for Nguyen Chiers, de défense de Nguyen Chiers, on their 23rd ground, alleged that dans 23e moyen d'appel, ont allégué. The civil party lacks the appropriate safeguards intended to protect the integrity of evidence because of the fact that they do not take an oath before the chamber. Pas prêté serment devant la chambre. And that civil parties are entitled to meet freely with their lawyers, se rencontrer or that civil parties are allowed to discuss their experiences with other civil parties. Les parties civiles peuvent in relation to taking an oath, témoins et parties civiles. We are of the view that nous considérons civil parties are a party to the case. Font partie de l'affaire. And they can testify it and they do not need to take an oath. Témoigner sans prêter serment et ceci a été décidé on several occasions by the trial chamber. Par la chambre de première instance. Particular in August, en août, November 2011 and again in 2013. This practice was also stipulated in the Code of Criminal of the Kingdom of Cambodia, in the internal rules, as well as in the French laws, that civil parties are not obliged to take an oath. C'est-à-dire que les parties civiles ne sont pas obligées de prêter serment. Mais cela ne veut pas dire
the civil parties without taking an oath are not allowed to testify. Civil parties are party to the proceeding and can speak before the chamber, and their testimony can be used as evidence. Peut être utilisé en tant que preuve. This same situation applies to the accused, as they can do all what I have just described without having to take an oath. Donc, ce que je viens d'écrire, donc les and the man is not obliged to rely on the testimonies of the civil parties. The chamber at its own discretion can consider and make the assessment on the credibility of those testimonies case by case. La crédibilité des témoignages au cas par cas. The defense team for Nguyen Chir alleged that other practices relating to civil party is based on the premise that civil party being at par with their witnesses. Parties civiles font partie des témoins. Civil parties, as we just argue, are a party to the proceedings. Font partie du procès. And they are not their witnesses. Il ne s'agit pas de témoins. In addition, they may also have distinctive interests different from that of the witnesses who are entitled to lawyers. And the civil parties can have access to case files and can attend court hearings at all stages of the proceedings. Et peuvent participer aux audiences à tous les stades du procès. Furthermore, the defense team for Nguyen Chi alleges that the trial chamber erred in law in holding that the weight given to civil party testimony will be assessed on a case-by-case basis in light of the credibility of that testimony. We would like to reinstate our position that, in fact, all parties can question the civil parties and rather, the litigious lawyers would like to reinstate that the testimony of civil parties may be questioned for clarification against the civil parties, and of course it is up to the discretion of the bench to consider their testimonies on a case-by-case basis, and that has been the practice in the trial chamber. And finally, the defense team alleges that civil parties who were summoned to testify should not speak about facts, ne devrait pas parler des faits, as the facts given by the civil parties during their testimony should not use, that is, during their statement of harm and suffering. In fact, allow me to remind you again that all parties had an opportunity to question those civil parties who are summoned to give their impact statement. They had the opportunity to ask about the facts related to those particular civil parties. Concernant les parties civiles and en what question. Has just been raised by defense counsel Antaguisé, et par rapport à ce qui vient d'être évoqué par that the defense Antaguisé, did not have an opportunity to question ne pas avoir civil parties, la possibilité d'interroger les parties or that civiles, the opportunity was limited, ou plutôt que cette possibilité a été limitée. I would like to counter propos, that argument that usually the civil parties did not avail themselves to use that opportunity to question the civil parties. C'est une opportunité qui n'a pas toujours the été defense, disponible. La défense. And of course, they can also request to summon those civil parties for cross-examination if they wish to. Namely, the civil party Chao Ni. Chao Ni, par exemple, who was la partie civile, summoned for
providing the impact statement. Afin de prononcer and sa later on, the defense requested the civil party to be cross-examined. So it is not reasonable for the defense. Donc, il n'est pas raisonnable pour la défense de dire to mention facts related to him or her, or to her during the statement of harm and suffering. Ces faits qui ont été dits pendant la déclaration sur les souffrances. Civil parties who were summoned to testify. Les parties civiles qui ont été citées à comparaître. Wanted to search for the truth, and they did not need to say anything which were. It was untrue. Mais elle n'avait aucune nécessité de dire des choses qui n'étaient pas vraies. They could speak about the truth and only about their suffering. Elle ne This pouvait is parler my part on the submission and with your permission, I, Mr. President, I want to turn the floor to my international colleague, my Mary Giraud. President. Litco lawyers, in fact, your time has run out, and anyway, the chamber will grant you five more minutes. Please use the time wisely. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vais essayer de contenir mes observations dans les 5 minutes que vous avez allouées. Je voudrais revenir sur trois des points qui ont été mentionnés dans le rapport qui a été fait avant la pause déjeuner, la possibilité qu'avait la défense de confronter les preuves qui ont été versées par les parties civiles, la recevabilité de ces preuves, notamment au regard du volume important de documents écrits qui ont été versés en preuve, et puis la façon dont la Chambre a évalué la force probante de ces preuves versées par les parties civiles. Dans son jugement, et mon confrère l'a rappelé, la Chambre de première instance a utilisé un certain nombre de constitutions de parties civiles pour corroborer, et j'insiste sur ce terme fondamental, corroborer un certain nombre de constatations factuelles, et j'insiste aussi sur ce terme particulièrement important, corroborer des constatations factuelles. La Chambre de première instance n'a pas utilisé ces documents pour démontrer la participation des accusés aux crimes qui leur étaient reprochés. In the crimes they were charged with. Dans leurs mémoires respectifs, les accusés ont tous deux contesté la façon dont la Chambre avait utilisé les preuves qui avaient été versées par les parties civiles. Nguyen Chia et Kyo Sampan ont tous deux considéré que la Chambre avait commis des erreurs de droit et de fait ayant trait tant à la recevabilité des preuves qu'à leur force probante. Il est important de rappeler et d'indiquer ici qu'aucun des accusés, que ni Nguyen Chia ou Kyo Sampan, n'a pointé dans son mémoire d'appel une condamnation précise, c'est-à-dire une condamnation pour un crime précis au regard d'allégations factuelles précises qui seraient directement touchées par les erreurs qui ont été alléguées. Aucun accusé n'a indiqué en quoi ces erreurs alléguées permettaient soit d'invalider le jugement, soit de considérer qu'il existait un déni de justice, qui sont pourtant des critères essentiels de la règle 104.1 du règlement intérieur. Pour cette seule raison, l'ensemble des motifs devra être rejeté par votre chambre. All the
grounds of appeal must be rejected by your chamber. Donne l'opportunité the Supreme Court de réagir et de faire quelques observations orales sur oral ces motifs, je souhaiterais these grounds, dire I would like ceci. To point out the following. Devant les CETC, mon confrère l'a rappelé, les partis civils sont de véritables parties au procès qui participent aux poursuites des personnes responsables de crimes relevant de la compétence des CETC. Le moyen privilégié pour une partie civile de participer aux poursuites, c'est de verser des preuves. Il peut s'agir de preuves orales quand les parties civiles viennent témoigner à la barre, mais il s'agit plus souvent de preuves écrites. Et la question des preuves écrites est pour nous essentielle. Compte tenu du nombre extrêmement restreint de partis civils qui ont eu la possibilité de venir témoigner à la barre, verser au débat les documents écrits que chacune des parties civiles a remplis quand elle a décidé de se joindre à la procédure, était pour nous un moyen de rendre le droit de participer des victimes réel et effectif. For us to make participation of civil parties real and effective. Je souhaitais, si vous m'en donnez l'autorisation, Monsieur le Président, expliquer plus avant pour la Chambre, mais aussi pour le public qui nous regarde, quelle était la procédure à l'œuvre pour que les victimes puissent se constituer partie civile afin d'éclairer la Chambre et le public sur les deux sujets au cœur de ce débat, la question de l'admissibilité de ces preuves et la question de la force probante de ces preuves. Chaque victime qui a souhaité participer à la procédure a rempli et soumis au stade de l'instruction un document qu'on appelle une constitution de partie civile et qui comprend le récit de manière plus ou moins détaillée de ce qu'a vécu cette personne pendant le régime du Kampuchea démocratique. Certaines victimes ont rempli ce document seules, d'autres se sont fait aider par des organisations non gouvernementales, des avocats, la section d'appui aux victimes du tribunal. Ce document a ensuite été utilisé par les co-juges d'instruction pour apprécier la recevabilité de ces parties civiles, c'est-à-dire pour savoir s'il existait un lien entre les crimes qui étaient allégués par ces victimes et le champ de l'enquête. Tous ces documents faisaient partie intégrale du dossier dès 2007. Pour expliquer un petit peu plus avant ce qu'est le dossier, il me semble important de rappeler que devant les CETC, il n'y a pas de dossier de l'accusation contre un dossier de la défense, mais il y a un seul et même dossier constitué lors de l'instruction, nourri par le travail des juges et par les parties elles-mêmes, et la défense avait bien évidemment accès à ce dossier dès le début de l'instruction. Les juges se sont fondés sur les seules preuves contenues dans ce dossier pour fonder leur intime conviction. Mais il est important de dire que le principe cardinal d'administration de la preuve in the assessment of evidence qui a lieu au CETC, c'est-à-dire que la preuve est libre, a connu un certain nombre d'aménagements, tant par le règlement intérieur que par les mémoires de la Chambre dans le cas 2-1. The memoranda of the chamber as part of case 002/01. Si vous m'autorisez à continuer, Monsieur le Président, je voudrais dire un mot de ces aménagements de la liberté de la preuve où la Chambre de première instance a eu à cœur de respecter le principe du contradictoire et de permettre à la défense de confronter
les preuves écrites. To enabling the defense, pour ce qui concerne les parties civiles en particulier, and to assess the evidence properly, dès juin 2012, in particular, la Chambre de première instance a rendu une décision qui nous a renseigné, nous, parties civiles, mais aussi les autres parties, sur le sort qu'elle entendait réserver aux constitutions de parties civiles. Et je me réfère ici à l'une des décisions les plus importantes, la décision E96/7. Le droit des accusés à confronter ces constitutions de partie civile a été au cœur de cette décision, à l'occasion de laquelle la Chambre nous a indiqué que les constitutions de partie civile que nous souhaitions voir versées au dossier devaient être disponibles dans les trois langues officielles du tribunal, constituer un échantillon représentatif de l'ensemble des documents que nous souhaitions voir versés et qu'elles étaient interdites si celles-ci concernaient des actes et comportements des accusés, alors même qu'une confrontation était impossible. Il est important de comprendre que la Chambre nous a enjoint à deux reprises de limiter les constitutions de parties civiles que nous souhaitions voir versées au dossier, précisément pour permettre à la défense de confronter ces preuves. Nous avons réduit considérablement le nombre de constitutions de parties civiles que nous voulions voir versées au dossier. Et simplement, pour vous donner un chiffre, Monsieur le Président, sur les 3867 constitutions de parties civiles, nous n'avons versé en preuve pour répondre aux injonctions de la Chambre que 484 constitutions de parties civiles. Les deux équipes de défense ont eu la possibilité de formuler des objections écrites sur ces listes de 484 constitutions de parties civiles. Je me réfère au document E223-28 pour Nguyen Chia et E208-5 pour Kyo Sampan. Dans les deux cas, les objections de la défense étaient extrêmement générales. Il y a eu en tout, dans le procès 2-1, 14 jours de débat oral sur la preuve écrite, lors de laquelle la défense a pu s'exprimer sur la recevabilité de la constitution des parties civiles. L'élément fondamental. Excuse me, counsel. It is my understanding, but I may have been confused by now, that the appeal allege or appeals allege that they, not that they didn't have access to these documents. As I understand the appeals, they allege that these documents should have been disqualified from admission because of their lack of reliability. Alternatively, that a low probative value should be attributed to them, and they should not be relied for the material findings. But the access was not a point that I would have noticed. So I stand corrected if you refer me to a point of appeal where the access to this evidence is disputed. Otherwise, I'd suggest that you move on or you ask the President for extension of time if there is some issues more directly related to appeal. Je ne parlais pas tant de l'accès talking so much of the access they had to those documents, but of their admissibility. Madame le juge, and since a parlé de la valeur probante de ces documents, je voulais rappeler une décision fondamentale, qui est la décision E96/7, par laquelle la Chambre, très tôt dans le procès, a clairement indiqué que les constitutions de parties civiles auraient une valeur probante très limitée, et je cite ici la décision
de la Chambre que les constitutions de partie civile auraient une valeur probante très limitée eu égard aux circonstances dans lesquelles elles avaient été recueillies. La défense a eu l'occasion de réagir tant sur l'admissibilité que sur la force probante lors de ses plaidoiries finales et de ses déclarations finales en réponse. Et le jugement a expliqué dans ses paragraphes 34 à 39 et plus précisément dans son paragraphe 34 les critères qu'elle avait pris en compte pour déterminer la force probante des constitutions de partie civile. Les circonstances dans lesquelles les constitutions de partie civile avaient été recueillies, l'existence de divergences entre les différentes versions qui avaient été données, l'absence, bien évidemment, de possibilité de confrontation entre les accusés et l'auteur de cette déclaration. Je vais m'arrêter là car je sais que mon temps est largement compté et je voudrais terminer en vous disant qu'il ne nous appartient pas à nous, partie civile, de porter un jugement sur la façon dont la Chambre a apprécié les preuves soumises par les parties civiles, mais pour que vous, Chambre suprême, vous vous saisissiez de cette question, il faudra que les mémoires d'appel présentées par les deux accusés vous aient convaincu que le test de la règle 104.1 est rempli, c'est-à-dire que l'appréciation de la force probante qui a été faite par la Chambre constitue une erreur de droit qui invalide le jugement ou que cette appréciation constitue une erreur de fait qui a entraîné un déni de justice. De ce côté-ci de la barre, nous sommes d'avis qu'aucun de ces mémoires d'appel ne pourra vous convaincre de cela. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné ce temps supplémentaire pour que nous puissions formuler les seules observations que nous formulerons dans le cadre de ces trois jours d'audience. Je vous remercie. The remarks that we have made as part of these appeals hearings. Thank you. Now it is the appropriate time for a short break. The chamber will take a short break of 20 minutes and the hearing will resume at 15 to 3. À 15h moins le quart. Suspension d'audience.